Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette guidance qui parle d'amour. Je précise que cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, pour vous les scorpions dans cette guidance, j'ai l'impression que il y a de la jalousie dans une relation. Il y a de la jalousie dans une relation et ça amène des conflits importants. Je pense même que par rapport à cette jalousie de l'un des deux partenaires, peut-être même que quelqu'un pense à la rupture. C'est une possibilité. Il y a aussi le fait que quelqu'un essaye de dominer l'autre ou alors écrase un peu l'autre. C'est une possibilité. Il y a un changement qui se prépare dans votre vie amoureuse. Il va peut-être y avoir quelque chose d'imprévu et ça va peut-être un peu vous déstabiliser ou alors vous faire rompre. C'est possible. C'est possible que l'un des deux dans cette relation doive admettre que la relation est terminée. C'est possible. Par rapport à quelque chose qui va, je ne sais pas, que vous allez apprendre. Parce que moi, dans cette guidance, j'ai quand même des choses qui ne sont pas dites. Des secrets, des non-dits, des conflits aussi, bien évidemment. Mais cette guidance, elle dit, elle met quelqu'un en garde. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans une relation cachée, une relation clandestine? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que quelqu'un, oui, est dans une relation cachée, une relation clandestine, et qu'il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir peut-être un choix à faire entre deux personnes. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui devez faire ce choix ou quelqu'un en face de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. Et bien évidemment, ça amène des difficultés. Vraiment ça amène vraiment des difficultés. Cette guidance, elle demande d'être honnête avec soi-même. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui devrait être honnête avec vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'à un moment ou un autre, vous ne pourrez plus vous le cacher. Il va peut-être être temps de regarder la situation, enfin la relation, de façon objective. Et de faire des choix, de prendre des décisions, de faire un changement. Je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose à changer. Il faut être dans la réflexion. Il faudrait vraiment que vous sachiez où en est réellement cette relation. Où vous en êtes réellement dans cette relation, quoi. Et prendre une décision. Je ne sais pas, partir ou rester. Mais être honnête avec vous-même aussi, être honnête avec vraiment ce que vous attendez d'une relation. Ce que vous attendez d'une vie de couple, vous voyez. C'est vraiment ça. Parce que, peut-être que oui, qu'il y a certains scorpions qui devront faire le deuil de cette relation. Hein. Alors peut-être que, je ne sais pas, même si ça ne va pas, vous avez peut-être encore l'espoir que ça fonctionne, je ne sais pas. Peut-être que vous ne voulez pas réellement mettre cette relation derrière vous, mais il y a vraiment un changement qui est nécessaire. Alors peut-être qu'il y a des erreurs à pardonner, peut-être il y a peut-être une meilleure communication à avoir, mais après dans cette guidance, il est aussi possible que vous ayez le sentiment que les choses sont trop compliquées, que ça ne changera jamais, que cette relation est trop pénible et qu'elle ne changera jamais. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on tente, ça ne donne rien. Vous voyez, donc il est tout à fait possible que quelqu'un envisage une rupture. C'est possible. Et avec la tour, peut-être même que quelqu'un peut envisager une rupture assez brutale. On ne s'y attend pas, vous voyez. On ne s'y attend pas et après peut-être on peut envisager une rupture brutale parce qu'il y a quelque chose qui était caché et on apprend ce qui était caché. C'est aussi une possibilité dans cette guidance.
Mais quoi qu'il en soit, cette relation, alors pour certains scorpions, bien évidemment, ce n'est pas pour tous les scorpions, mais cette relation, elle ne peut pas rester en l'état. Ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être, effectivement, quelqu'un va faire un choix. Je vais encore tirer quelques cartes pour vous, les scorpions. Allez, pour les scorpions. Allez, bah, voilà. Bon, bah, j'ai la triangulaire. Donc effectivement, donc quand je disais un choix à faire entre deux personnes, oui, ou alors vous êtes dans une. Oui, bah, alors soit vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre. C'est une possibilité que vous soyez avec quelqu'un qui n'est pas libre. Au bout d'un moment, bah, peut-être, je sais pas, hein, parfois dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre, la personne c'est non mais t'inquiète pas, je vais quitter l'autre, bah, et puis en fin de compte, bah, ça ne se passe jamais. Donc c'est peut-être vous qui prenez la décision d'arrêter. Ou alors, bah, vous êtes avec quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Enfin, vous n'êtes peut-être pas au courant. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Parce que tous les scorpions ne sont pas dans des triangulaires. Peut-être que c'est vous qui êtes. Vous n'êtes pas forcément la troisième personne. C'est ça que je veux dire. Ah ben, la jalousie. Tu étais où? C'est qui? Oui, bah oui. Je vous l'ai dit hein, au début de la guidance que, il y avait quelqu'un, il y avait de la jalousie dans cette relation, hein, que quelqu'un écrasait un peu l'autre, peut-être étouffait un peu l'autre. Ouais. Donc il y a bien de la jalousie. Ouais. Alors après, effectivement, si quelqu'un pressent, que ressent ou a l'intuition que l'autre bah, que l'autre va ailleurs, bah, c'est sûr que. Voilà quoi, je ne sais pas. Les allers-retours. Bon, alors ça, c'est la théorie de l'élastique, c'est-à-dire que bah, vous êtes peut-être dans une relation qui s'arrête, qui recommence, qui s'arrête, qui recommence, qui s'arrête. Voilà. On est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. C'est possible. Enfin, c'est même possible avec la théorie de l'élastique, de toute façon, il y a quelqu'un qui fait des allers-retours dans cette relation. Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est vous. Voilà, on a le secret. Bah oui. Des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites. Voilà. Donc, il y a bien des choses. Soit c'est des choses que vous ne dites pas, ou soit c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Ou après, alors, il y a une troisième possibilité avec cette carte. C'est le fait que bah, c'est vous qui ne voulez pas voir les choses en face. Peut-être que vous refusez de voir les choses en face. Peut-être qu'on peut vous dire des choses par rapport à un partenaire ou une partenaire et vous refusez de l'entendre. C'est une possibilité. Je vais regarder ce que j'ai. Ah ben, j'en ai pris encore une. Le non, le négatif. Ben oui, bien évidemment. Ah ben, en d'autres paquets, j'ai la crise. Eh ben, décidément, tu me tapes sur les nerfs, j'en peux plus. J'arrive plus, j'en peux plus, j'y arrive plus. C'est un peu ça la crise, hein, ras-le-bol quoi. Les blessures, bah bien. Oui, donc il y a quelqu'un qui souffre hein, dans cette relation. Hein. Elle ne peut pas rester en l'état, cette relation, c'est pas possible. La saturation, trop c'est trop, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on. Oh là là. Oui, il y a quelqu'un, vraiment quelqu'un qui souffre. Voilà, c'est. Bon, je vais arrêter là parce que ça me, j'aime pas ça. Donc bon, bah. La domination, effectivement. Donc bah, c'est une relation déséquilibrée. Il y en a un qui domine l'autre, il y en a un qui a un pouvoir sur l'autre. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, et même qui profite de l'autre, parce qu'il y a le profit aussi. Hein. On peut aussi profiter en même temps de l'autre, tant qu'à faire, pendant qu'on y est. Donc voilà. Mais donc pour certains scorpions. J'espère que ça parlera pas à trop de monde parce que c'est pas extrêmement c'est pas joyeux. Mais pour certains scorpions, ne laissez pas les choses en l'état. Si vous avez un choix à faire, faites-le. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance a pu vous éclairer un peu. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à bientôt.